Jamais l'envie de s'échapper de Paris, et des grandes villes en général, n'a été si grande pour leurs habitants. Il faut dire qu'outre les manifestations qui dégénèrent et les déchets qui s'accumulent sur les trottoirs de la capitale, l'envie de prendre l'air et de s'évader en pleine campagne peut être forte. On peut parier que Thibaut de Montalembert, interprète du personnage de Mathias Barneville dans la série 10%, s'offre une parenthèse au vert dans les prochains jours. Le comédien de 61 ans s'est confié au Parisien Weekend sur son quotidien loin des plateaux du tournage et de la scène qu'il occupe en ce moment pour les besoins de la pièce Un président ne devrait pas dire ça, dans laquelle il donne la réplique à son épouse Hélène Babou. Quand il en a l'occasion, il emmène sa femme loin de Paris pour y virer dans la région bourguignonne. J'ai la chance de posséder une maison en Bourgogne, près de la jolie ville médiévale de ses murs en auxois. Au programme, bon repas, moments en amoureux et escapades dans la nature, j'apprécie les grandes balades revigorantes dans la forêt, suivies d'un feu de cheminée réconfortant. Nul doute qu'il doit aussi savourer de bons petits plats concoctés par ses soins, j'adore préparer de bons repas pendant des heures. Ma mère était une cuisinière hors pair, enfant, je la regardais avec fascination, et elle m'a transmis ses recettes secrètes. Dans mon appartement, j'ai aménagé exprès une immense cuisine avec un piano de cuisson professionnel et une table pour 10 convives. Point. Mon épouse et moi adorons réunir nos amis pour des dîners interminables. De bons vivants qui se sont très bien trouvés. J'ai les mêmes papillons dans le ventre entre Hélène Babou et Thibaut de Montalembert, ce fut vite une évidence. L'acteur s'était pourtant promis de ne jamais partager sa vie avec une femme exerçant le même métier que lui. Moi qui m'étais juré de ne jamais partager ma vie avec une actrice, nous ne nous sommes plus jamais quittés, racontait-il à Paris Match. Si est-il à la fois ma complice, mon amie, ma femme. Point. Il a fallu que j'aie 55 ans pour comprendre que la durée est le sel de l'amour, qui rend l'histoire plus profonde et passionnante. J'ai les mêmes papillons dans le ventre, quand je la regarde, qu'il y a 13 ans. Sa belle Hélène, Thibaut de Montalembert la aimait à 100%.